Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère de gauche et de droite? Could you just greet your neighbor to the left or your right? J'ai besoin du pianiste. Like the keyboard player to come back. Keyboard, yeah. Salue-le pour moi. Greet your neighbor for me, please. Alléluia. Gloire à Dieu. Can the keyboard player come back, please? One, two. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content d'être là ce soir? Are you happy to be here tonight? Est-ce que je peux voir ceux qui sont contents d'être là? Could you show me your hand if you're happy? I want to see. Oh, qui est content d'être là? Who's happy to be here tonight? Are you sure? Tu es sûr? J'ai besoin du pianiste. Est-ce qu'il est? Keyboard player, where is he? He's out. Yeah. I want to see. He's run away. Alléluia. Ma joie est grande d'être parmi vous. I'm so happy to be among you. Je dis merci à notre Dieu. I'd like to thank our God. Pour cette grâce et cette opportunité. For this opportunity and the grace he's granted us. Ce privilège. It's a privilege. De me tenir devant son peuple. To stand before his people. Devant vous qui êtes ici. Before you who are sitting here. Et j'aimerais aussi honorer l'homme de Dieu. I'd like to honor the man of God. Le père de la maison. He's the father of this house. Mon père aussi. He's my father too. Apôtre Peter Bondoli. Apostle Peter Bondoli. Avec son épouse Mamie Claire. And his wife Mama Claire. J'aimerais qu'on puisse acclamer le Seigneur pour leur vie. Can we put our hands together for them? Il a été un canal puissant que Dieu a utilisé. It's been a powerful channel that God has used pour nous aider, to help us à rebâtir nos murs, to rebuild our walls. Et je crois que le thème qui a été choisi me concerne aussi. So the topic that has been chosen for this particular session, parce que je suis passé par des moments très très difficiles, I'm as involved with it because of the challenging time I went through. Après 12 ans d'exercice de ministère, after 12 years of being in a ministry, où j'étais loyal à un homme de Dieu, where I had been so faithful to a man of God, j'ai connu des coups terribles. I came to experience some difficult times. J'avais connu des chocs terribles. It was quite a challenging time I went through. Au point où je voulais tout abandonner. I had gotten to the point where I wanted to quit all of it. Mais parce qu'on aimait Dieu, parce qu'on aime Jésus. But because we love God and we love Jesus. Alléluia. Hallelujah. Et qu'on a l'amour pour son œuvre. And so because we love his work. Le Seigneur l'a utilisé. The Lord used the man of God. Pour me donner un seul message. To give me one word. Et pendant, c'était un séminaire qu'on avait organisé avec lui. It was during a seminar we'd organized. Le thème, c'était la percée spirituelle. So the topic was how to break through spiritually. Et un seul mot qui m'avait retenu, que j'avais retenu. And there is one word I can remember as clear as it was. C'était, yes, I can do it. Amen. Il a dit, oui, je peux le faire. C'est oui, je peux le faire. Yes, I can do it. C'est-à-dire quand tout semble perdu. So it means when you feel like you're lost. Quand tout est down. Everything is down and tout crumbling. Est perdu. Everything seems lost. Avec Jésus. With Jesus. C'est possible. It is possible. Alléluia. Amen. Et nous sommes là aujourd'hui. And so we're here tonight. Et le Seigneur continue à faire son œuvre. And the Lord carries on doing his work. J'aimerais également honorer l'homme de Dieu, le pasteur Frank et son épouse. I'd like to honor the man of God, Pastor Frank and his wife. Acclamer le Seigneur pour leur vie. Let's put our hands together for their lives. Merci pour votre amour. Thank you for your love. Et pour de m'avoir reçu chez vous. And to have welcomed me in your home. Je passe de très très bons moments. I've been spending fantastic times over there. Oh, merveilleux, merveilleux. It's wonderful, wonderful time. Que le Seigneur vraiment se souvienne de vous. May the Lord remember you. J'aimerais aussi honorer la femme de Dieu Sheila et son mari aussi. I'd like to honor the woman of God. Nous and sommes, his, nous and sommes her husband. Il y a deux mois, un mois ou ouais, deux mois, je sais plus, au Congo. So they've been with me. Were they with you in Congo? Yeah, two Congo, months yeah. ago. Yep. C'est ça, non? 2 months, hein? Right? 1 month. Okay. A month ago. Juste un mois, ouais. Yeah. Okay. Et on a passé de très bons moments. We le Seigneur nous a fait fantastic beaucoup de bien. Times together there. Et merci à tous ceux qui sont là, tous les hommes de Dieu, femmes de Dieu. And I'd like to thank all of you are vous here, men là. And women of God, all of you. Que Dieu vous bénisse. Let's send and God bless you. Alors, gloire à Dieu.
Alors, j'aimerais vous dire que on vous connaît sans vous avoir vu. I'll tell you that we know you even without having seen you. Et on est content d'être là. And we are very happy to be here. Give me G. Hallelujah. The key of G, please. G. I sing praises to your name. You know? Oh Lord, praises to your name. You deserve the glory, you know? You deserve the glory. I sing praises to your name. Yes. Oh Lord, worship to your name. Oh Lord, cause your name is great and worthy to be. Seigneur, nous voulons te dire un grand merci. Lord, we want to thank you. Merci pour ce moment. We thank you for this time. Je demande que ta grâce nous soit accordée. I ask that you will grant us your favor. Pendant your ces quatre jours, during these 4 days, nous voulons expérimenter ta gloire. We want to experience your glory. Nous voulons expérimenter ta présence. We want to experience your presence. Et ta puissance. And your power. Laisse que le ciel s'ouvre en Let ce lieu. Heaven be open. Et que pendant ces quatre jours, so that during these 4 days, que l'Esprit de Dieu se mouve, that the Holy Spirit would move, d'une manière, oh mon Dieu, magnifique. In a way that is beyond nous nous what we attendons can comprehend. À toi. We call upon you. Nous nous attendons à toi. We wait on you. Viens nous toucher. Come and touch us. Viens nous parler. Talk to us. Viens nous transformer. And come and transform us. Viens, oh Dieu, nous délivrer. Come and deliver us. Et viens nous emmener là où tu veux. Come and take us where you want. Et merci pour les murs que tu rebâtis. Oh Lord, as you build this wall. Par la puissance de Dieu. By the power of God. Saint-Esprit, the Holy Spirit. Je m'abandonne entre tes mains. I want to commit myself in your hands. Que ma personne se fasse. That nothing would be done. Mais que toi seul sois vu. But only you and you alone glorifié. Be on display. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous avons ainsi prié. We have prayed. Et nous disons Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci. Prenez place. Thank you. Be seated. Prenez place dans la présence de Dieu. Ok. Accompagne-moi. Juste le piano. Thank you. All the piano. Come with me. Alors nous sommes ici pour 4 jours de conférence. So we're here for 4 days during this conference. Conférence prophétique. It's a prophetic conference. Dont le thème est. Where the topic is. Rebâtir les murailles. Rebuilding the walls. De quelles murailles il est question? So which walls are we talking about? Les murailles de Jérusalem. It is rebuilding the walls of Jerusalem. Et sur le thème qui a été exploité pendant ce temps de jeûne et prière. So this is the topic that you have been focusing on during these 21 days of prayer. Et nous voulons et nous voulons aller dans le même sens. And so we're going to go in the same way. Pendant que je priais le Seigneur. So as I was praying the Lord. Pour qu'il me donne le message à porter. So that he might give me the word to bring here. Le Seigneur m'a conduit dans la même direction que Néhémie. He led me in the same direction as Nehemiah. Et pendant ces 4 jours. Nous allons comprendre beaucoup de vérités. And so during these 4 days, we will understand a lot of truths. Et soyez très attentifs. I want you to pay attention. Parce que Dieu va nous faire du bien. Because God is going to do something good. Amen. Amen. Nous prenons 2 textes dans la Bible. So let's pick up 2 texts in the Bible. Néhémie chapitre 1er. Nehemiah chapter 1. Prenez avec moi Néhémie chapitre 1er. Nehemiah chapter 1. Le verset 1er au verset 4. From verse 1 to verse 4. Mais on peut prendre jusqu'au verset 3. Up to verse 3. Néhémie chapitre 1er, verset 1er au verset 3. Nehemiah chapter 1, verse 1 to verse 3. Ensuite, nous lirons Ésaïe 58, le verset 12. Then we will read Isaiah chapter 58, verse 12. Alors je lis. Que Let Dieu me lit. Read. Yeah. These are the memoirs of Nehemiah, son of Hakaliah. In the late autumn, in the month of Kislev, in the 20th year of King Artaxerxes' reign, I was at the fortress of Susa. Hanani, one of my brothers, came to visit me with some other men who had just arrived from Judah. I asked them about the Jews who had returned there from captivity and about how things were going in Jerusalem.
They said to me, things are not going well for those who returned to the province of Judah. They are in great trouble and disgrace. The walls of Jerusalem has been torn down and the gates have been destroyed by fire. Esaïe chapitre 58, le verset 12. Isaiah 58 and chapter 12. Verse 12. Isaiah 58, verse 12. Yeah. Very, very quickly we read. Some of you will rebuild the deserted ruins of your cities. Then you will be known as rebuilder of walls and restorer of homes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Glory. Alors le livre de Néhémie, in the book of Nehemiah, est très significatif. Le livre de Néhémie est très significatif. The book of Nehemiah is a very significant book. Parce qu'il nous parle de la manière dont Dieu agit. Because it talks to us about the way God acts. Et comment Dieu utilise les hommes. And how God uses people. Pour restaurer et rétablir ce qui a été détruit. To restore and rebuild that which has been destroyed. Il est question de rebâtir les murailles. This is the question of rebuilding the walls. Si vous lisez dans le contexte, so if you read it within the context, avec Esdras, with Ezra, tout Jérusalem était détruit. The entire city of Jerusalem was revenir destroyed. Là-dessus. I'll come back to it. Mais Esdras avait déjà commencé le travail. See, Ezra started the work. De la reconstruction du temple. He was rebuilding the temple. Mais les murailles de Jérusalem. But when it came to the walls of Jerusalem, étaient toujours détruites, they brisées. Were still destroyed and in ruin. Quand on parle de rebâtir, so as we talk about rebuilding, nous voyons le feu de reconstruire. So what it is to rebuild. Cela veut dire, cela sous-entend quelque chose qui était déjà bâti, mais qui a été détruit. What you understand from it is the assumption is something was built prior to the moment and it was destroyed, then it has to be rebuilt. Et des choses qui ont été comme endommagées, des murailles qui ont été endommagées. And so the walls that had been totally in ruin. Il y avait des dégâts importants. So the destruction was quite significant. Et il y avait beaucoup de travail à faire. And so there was a lot of work to be done. Et c'est une œuvre très difficile. And it was hard work. Vous savez, il y a deux choses. See, there are two things. La première chose, the first, c'est de bâtir. Is to build. Quand on bâtit, when you build, cela est plus facile. It's very easy. Parce qu'on prend des nouveaux matériaux, because you pick up new et on les met ensemble, you put it together, et on bâtit. And you build. Bâtir, when you build, une structure. Une structure, so to a structure, une maison, to build a house, une église, to build a church, quelque chose, something, est beaucoup plus facile, it is easier, que rebâtir, than to rebuild. Parce que quand on veut rebâtir, because when you're rebuilding, cela veut dire que la chose était déjà cassée. It means that which was there had been broken. Il y a des ruines. There are ruins. Il y a beaucoup de difficultés. There are difficulties. Il y a beaucoup d'épreuves. There are a lot of lorsqu'il est question de rebâtir, when you are rebuilding, rebâtir, to rebuild, à la pensée aussi. De la résurrection. It gives us the thought of resurrection. Redonner vie à ce qui était mort. Re-giving life to something that was relever already dead. Relever ce qui était tombé. To relift what had been. Et pendant broken. Ce 4 jours, Dieu va ressusciter quelqu'un. And so during these 4 days, et pendant God ce 4 jours, Dieu va relever someone. Une situation qui était down. A situation that was down will be rebuilt during these 4 days. Et Dieu veut rebâtir. And God want to rebuild. Quelque chose. Something. Et il est question ici. It is very important. Des murailles de Jérusalem. That we understand it's about the walls et of Jerusalem. Qu'est-ce que Jérusalem? So what is Jerusalem? Jérusalem c'est la Sion. Jerusalem is like Zion. Jérusalem c'est Sion. It is Zion. C'est la ville de Dieu. It is the city of God. La ville de Dieu. The city of God. La ville de paix. The city of peace. Le mot Jérusalem signifie cité de paix. Jerusalem means the city of peace. C'est la capitale d'Israël. It is the capital city of au Israel. Au temps de David, during the time of David, le roi qui était selon le cœur de Dieu. The king who was the man after God's heart. Et Jérusalem a connu un essor considérable. So Jerusalem had been torn and known as such a trying time. Oui, non, Jérusalem a connu un temps de grâce, de bénédiction. Jerusalem had gone through a time of rising, de prospérité, a time of grace and prosperity. Au temps de Salomon, le fils de David. During Solomon's time, who was the son of David. Et Jérusalem, c'est ton image. So Jerusalem is like the image of who you are. Dis à ton ami, tu es Jérusalem. Tell your neighbor, you are Jerusalem. Dis-lui, tu es Jérusalem. Tell him you're Jerusalem. Dis-lui, tu es Jérusalem. Tell him you're Jerusalem. Dis-lui, tu es la ville de Dieu. Tell him you are the city of God.
Dis-lui, tu es l'enfant de Dieu. You are the child of God. Dis-lui, tu es la bénédiction de Dieu. You are the blessing of God. C'est toi, Jérusalem. That is you, Jerusalem. Oh, je disais, c'est toi, Jérusalem. I'm saying it's you, Jerusalem. Je disais, c'est toi, Jérusalem. I was talking about you, Jerusalem. Jérusalem est aussi un centre religieux. See, Jerusalem is a religious center. Où on trouvait le temple. Where you found the temple. Et quand on parle du temple, when you're talking about the temple, on voit le lieu de rencontre. You're talking about the place of meeting, gathering. Entre Dieu et les hommes. The gathering between God and people. Parce qu'on trouvait dans le temple, because you find in the temple, un instrument important, a very important instrument, qu'on appelait l'autel, which we call the altar. Et sur l'autel, and on the altar, on sacrifiait, they used to put sacrifices, une image d'adoration. So it's an image of worship. Et quand on a sacrifié, and when you give sacrifice, Dieu sentait l'odeur. God will smell and sweet smell. Et Dieu des cieux, and the God of heaven, Dieu descendait. It will come down. Et Dieu répondait. And he will answer. Et Dieu bénissait. And he will bless. C'est pourquoi Salomon a dit. This is why Solomon. Même si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, if the people upon which your name is called, s'humilie, if they humble themselves, prie, and pray, et cherche ma face, and seek my face, ici dans le temple, here in this temple, je l'exaucerai des cieux. I will hear them from heaven. Et je guérirai son pays. Heal the land. Donc le temple, so the temple, c'est le lieu où le ciel est ouvert. Is the place where heaven is open. Et j'aimerais te dire, parce que tu es Jérusalem, I want to tell you because you're Jerusalem, tu es aussi le temple de Dieu. You are the temple of God. Je dis, tu es aussi le temple I'm de saying Dieu. You're the temple of God. Et ton ciel doit être ouvert. And your heaven must be open. Et quand le ciel est ouvert, when the heaven is open, il y a un culte qui est rendu à Dieu. There is a worship that goes et dans le God. Culte, and in this worship, nous élevons nos cœurs vers Dieu. We raise our hearts, nous allons vers Dieu. We go toward nous him. Quittons nos trônes. We leave nous quittons our role, nos problèmes, we leave our problems, nous oublions nos difficultés, we leave our et nous venons à Jésus, and we come to Jesus, et nous venons dans le temple, we come into the temple, et nous adorons, and we worship, et nous élevons, and we lift, et nous louons, and we praise. Et la Bible dit, and the Bible says, Dieu God siège sits au milieu in the de la louange de son peuple. Of the praise of his people. Je disais que Jérusalem, I'm saying Jerusalem, c'est là où Dieu descend. Is where God comes down. C'est là où Dieu descend. That's where God comes que down. Personne ne te trompe. Let nobody lie to you. Tu es un temple de you Dieu. Are a temple of God. Oh, partout où tu es, wherever you are, tu es le temple de you Dieu. Are the temple of God. Le ciel est ouvert. Heaven is open. Parce que tu es Jérusalem. Because you are Jerusalem. Come on. Hallelujah. Hallelujah. Jérusalem, un temple de Dieu. Jerusalem, the temple of God. Jérusalem, Jerusalem, un lieu d'adoration. The place of worship. Et Dieu dit, God said, l'heure vient. The time is coming. Elle est déjà venue. It's already come. Les vrais adorateurs. When true worshipers. Les faux adorateurs. See, the false worshipers. Those are the, you know, hidden nations. C'est les nations païennes. Pagan nations. Mais les vrais adorateurs. But the true worshippers. C'est nous. It's us. Qui adorons le Père. Who worship the Father. C'est-à-dire nous avons une relation. We have a relationship. Ce n'est pas une religion. It's not. Mais c'est une relation. It's a relationship. Le Père. The Father. Avec le Fils. And the Son. Le Père. The Father. Avec la Fille. And the Daughter. Et la Fille. And the Daughter. Avec le Père. And the Father. Lui en moi. He in me. Moi en lui. I am in him. Et nous sommes un. And we are one. Est-ce que quelqu'un m'entend? Moi en lui, lui en moi, nous sommes un. He's in me and I'm in him. Et we nous are adorons one. L'Éternel. And we worship the oh, Lord. L'adoration. To worship him. C'est ça qui fait de toi. This is what makes you. Jérusalem. Jerusalem. Parce que Jérusalem, because Jerusalem reflète la gloire de Dieu. Is made of the glory of Jérusalem. God. Jerusalem, la cité de Dieu, is the city of God. Jérusalem, Jerusalem, était aussi la ville du grand roi. Was also the city of the great king. C'est la ville du grand roi. It was the city of the king. Quel grand roi? Which king are we talking David. About? David. Mais pas seulement David. See, not only David, mais aussi le fils de David. But also the son of David. Jésus Christ. Jesus Christ. Jérusalem. Jerusalem. C'est la ville de Jésus. Was the city of c'est Jesus. C'est-à-dire ceci. So what it means? Jérusalem. It's Jerusalem. C'est la résidence de Dieu. It's the very place. Si Jérusalem est la résidence de Dieu, if Jerusalem is the dwelling cela veut dire place of God, que tu es la résidence de means Dieu. You are the dwelling place que of tu God. Es l'adresse de Dieu. You are the place where God non, dwells. Non, peut-être que tu ne te connais pas. Maybe you don't understand. Mais les démons te connaissent. See, look, the demons know this. Mais Satan te connaît. The devil knows it. Parce que tu es l'habitation because de Dieu. You are the dwelling place tu of God. Es la maison de Dieu. The house of God. Une habitation de you Dieu are the en esprit. Dwelling place of God. La résidence de Dieu. The dwelling place. Jérusalem. La résidence de Dieu.
the dwelling place of God. C'est pourquoi les habitants de Jérusalem, see, this is why the inhabitants of Jerusalem, ont une identité. They have an identity. Ils ne peuvent pas négliger cette identité. They cannot neglect that identity. J'aimerais te dire que tu as une identité. I want to tell you there is tu an identity. Tu n'es pas n'importe qui. You're just not anybody. Non, tu n'es pas n'importe you're qui. You're not just anybody. Tu as une identité. You have an identity. J'ai une identité. I have an identity. Je suis fils de Dieu. I am a son je of God. Je suis fille du roi de rois. I am the daughter of je suis God. Fille du roi de rois. The daughter of the King of Kings. Alléluia. 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 Dis avec moi Jérusalem. Can you say with me Jerusalem? Jérusalem. Jérusalem. Et cette ville de Jérusalem, so this city était protégée, was protected par des murailles, by the walls. Et les murailles étaient fortes. See, the walls were solid. Étaient élevées. They were very tall walls. Et c'était très important parce qu'à l'époque, but it's very important because during those days, à l'époque, lorsqu'une ville n'avait pas de murailles, so if a city was not protected by walls, cette ville était en danger. It would be a city in perpetual danger. Et qu'est-ce qu'une muraille? So what is a wall? Parce que nous parlons des murailles. Because we're talking about walls now. Les murailles, c'est l'ensemble des murs. So the walls are basically, an entire perimeter of gathering of different walls. Qui forme une enceinte. So it's basically covered from one angle to another. Et toute la ville, c'est-à-dire les maisons, les immeubles qui étaient autour, devaient être protégés par des grandes murailles. So every house, every dwelling, every building in the city was protected by these walls. Donc les murailles sont aussi un rempart qui sert de fortification de la ville. See, the walls were like a rampart, a fortress to protect. Protéger la ville. To protect the city. Alléluia. Amen. Et les murailles jouaient deux rôles essentiels. So there were two roles that these walls played. Notez bien. Le premier rôle des murailles. The first role. Pourquoi nous parlons des murailles? Le premier rôle de murailles. The first thing that the walls were about. C'était pour empêcher que l'ennemi entre dans la ville pour détruire. Was to stop the enemy from coming into the city to destroy it. Donc les murailles. So these walls sont là. They will be there. Nous nous sommes ici à l'intérieur. And we're here inside. Et l'ennemi est de l'autre côté. And the enemy is the other side of the wall. S'il n'y a pas le muraille, if there was no walls, l'ennemi va nous attaquer. The enemy would have attacked. Et va nous vaincre. And he would have vanquished. C'est pourquoi les murailles, this is why the walls, servaient d'abord de protection. Were there to protect. Pour empêcher que l'ennemi n'entre. To stop the enemy from coming in. Deuxièmement, the second reason, les murailles, the walls, servaient de protection. They were for protection. Des habitants de la ville. Of the inhabitants of the city. Ça empêche l'ennemi d'entrer. It stops the enemy from coming. Et ça protège. And it protects les habitants de la ville. The inhabitants of the city. Donc, en même temps, c'est un barrage. While it is a barrier. En même temps, c'est une sécurité. And it's also a security. Est-ce que quelqu'un m'entend? This is les murailles sont un barrage. So it was a barrier. En même temps, c'est une sécurité. And also a security. Et ne pas avoir des murailles. To not have those walls. C'est s'ouvrir à toutes sortes de dangers. Was being open to all sorts of dangers. Être dans un chaos. In a state of chaos. Alors j'ai compris une vérité. So this is what I understood. Comprenez bien ce que je vais être dit ce see soir. See what I'm going to say tonight. Jérusalem avait pas seulement les murailles. Jerusalem didn't just have walls. Jérusalem avait des murailles spirituelles qu'elle ne voyait pas. Jerusalem had also spiritual walls that no one could see. Le problème ce n'est pas les murailles d'abord physiques que l'on peut voir. The problem was not just simply the physical walls that could be seen. Mais le problème c'est d'abord les murailles spirituelles. What is more important was the spiritual walls. C'est vrai, Jérusalem avait des murailles. It is true that there were physical walls qui les protégeaient, that protected Jerusalem, qui empêchaient l'ennemi d'entrer, that stopped the enemy from coming. Ça c'était physique. That is physical. On pouvait le voir. We could see it. On pouvait le toucher. We could touch it. Mais au-delà de cela, but beyond that, il y avait une muraille. There was a wall spirituelle. That is spiritual. C'était Dieu lui-même. That was God himself. Je suis venu dire à quelqu'un. I've come to tell you. Avant de rebâtir les murailles that physiques, because before you build physical walls, il faut d'abord rebâtir les murailles spirituelles. You need to rebuild the spiritual ones. Il faut amener Dieu. You need to bring back God. Dans notre protection. In our protection. C'est d'abord Dieu. Because our protection regardez is God. Ce que la Bible dit. So listen to what the Bible dans le livre says. De Psaume chapitre 91. In Psalm chapter 91. Le verset premier. Verse 1. Au verset 10. All the way to verse 10. La Bible dit ceci. Here the Bible says. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Who sits under the protection of the Most High. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Is under the shadow of the Mighty. Ta première protection c'est d'abord l'ombre du Tout-Puissant. So your protection is the shadow of the Almighty. Ta première protection c'est l'abri du Très-Haut. You must be under the guarding of the Most High. Quand l'Éternel est ton abri. When the Lord is your shelter. Quand l'Éternel est ta muraille.
muraille. When the Lord is your wall, il est ta forteresse. Is your fortress. Rien ne peut t'atteindre. Nothing can touch you. David disait, David said, l'Éternel est mon refuge. Is my refuge. L'Éternel est ma forteresse. Is my fortress. C'est-à-dire ma muraille. Is my wall. C'est Dieu qui est ma muraille. It is God who's my wall. Il était roi. He was the king. Il avait là une armée. He had an army. Il avait des murailles. He had the walls. Mais il n'a pas mis sa confiance dans les murailles. But he didn't put all his trust in the walls. Il a mis sa confiance dans l'Éternel. His trust was in God. Nos premières murailles, c'est d'abord l'Éternel. So your first wall is God. Et c'est lui qui nous assure la protection. And he's the one who gives us protection. Oh, j'aimerais te dire. I want to tell you. Le verset 3 il dit quand l'Éternel te délivrera de l'ennemi. So at verse 3 says, for he will rescue you from every trap. Il va te délivrer des maladies. And protect you from deadly il disease. Il va te libérer des armées. He will cover you with his feathers. Quand l'Éternel est ta protection. When the Lord is your protection. Tu n'as pas à avoir peur des maladies. You don't need to be scared of sickness. Est-ce que tu m'entends? Are you listening? Tu n'as pas à avoir peur d'échouer. You don't need to be afraid of rien failure. Rien ne pourra t'atteindre. Nothing will reach you. Parce que l'Éternel ne dort ni ne sommeille. Because he never sleeps nor slumbers. Et c'est ta sécurité. And he is your security. Tu ne craindras pas les attaques nocturnes. You won't be afraid of the deadly disease of the night. Aucun malheur ne t'atteindra. No ill will reach you. Quand le malheur vient, because when ill will come, l'Éternel se levera. The Lord will rise. Et il va repousser cela. And he will push it back. C'est ça notre première. This is our first muraille. Our first wall. Et regardez, il dit ceci. Listen, this is what he says. Verset 11. Verse 11. Il dit ceci. This is what he says. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. For he will order his angels to protect you wherever you go. Lorsque Dieu est notre muraille, when God is our wall, il ne te laisse pas seul. He won't leave you alone. Il t'envoie des anges. He will send his angels. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as des anges look à tes côtés. Your neighbors, you've got angels. You've got angels. Ton ami, tu as des anges à tes côtés. You've got angels next to you. Hallelujah. 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 Il envoie ses anges. He will send his angels. Et ses anges te protègent. They will protect you. J'ai une sécurité angélique. I have a security of angels. Rien ne peut m'atteindre. Nothing can reach me. Il dit 1000 tomberont à mon côté. 1000 to my right. 10,000 à ma droite. 10,000 to my left. Je ne serai pas atteint. I will not be touched. Oh, j'aime les murailles de Dieu. I love the walls of God. Quand Dieu est là, when God is there, c'est la différence. It is a difference. Quand Dieu est là, when he's there, je suis en sécurité. I am in security. Quand Dieu est là, when he's there, je suis protégé. I am protected. Quand Dieu est là, when God is there, je n'ai pas peur de mes ennemis. I'm not afraid of anyone. Quand même l'ennemi vient comme un fleuve, even when the enemy shall come like l'esprit a flood, l'esprit de l'Éternel, the spirit of God, le met en fuite. Will raise a standard against him. Un fleuve, him. You know, a des courants puissants. When you're talking about a river or a flood, il y a des courants puissants. There is a very strong current. Mais même quand les puissants courants du fleuve m'attaquent. Even when the very strong current of floods and rivers attacks me, I will not fall à cause des murailles. Because of the wall. À cause de l'Éternel qui est ma muraille. The Lord is my wall. Psaume chapitre 124. Psalm 124. Le verset 1 à 2. Verse 1 and 2. La Bible dit ceci. The Bible says, sans l'Éternel qui nous protégera? Without the Lord, who would protect us? Que Israël le dise. Let Israel say. Que le peuple de Dieu le dise. Let the people of God say. Si tu es peuple de Dieu, if you are the people of God, sache que, know it well. Sans l'Éternel, without God, y a pas de protection. There is no protection. Oh, toi qui es ici à l'église, if you here in the toi qui as Jésus, you have Jesus, tu es protégé. You are protected. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend? Do you understand? Je dis, tu es protégé. You are protected. Toi qui vis dans la présence de Dieu, as you live in the presence of God, you are protected. Il dit quand les hommes se leveront contre nous, see, when men will arise against la véritable protection vient de Dieu. The true protection will come from ce God. Ce n'est pas le ministère de défense. It's not the minister of defense. Ce n'est pas l'armée australienne. It's not the Australian army. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Oh, you're not listening. J'ai dit quelqu'un ne me comprend pas. You're not listening. Ce n'est pas le gouvernement. It's not the government. C'est l'Éternel. It's the Lord. Regardez ce qui s'est passé aux Antilles et en Amérique du Nord. Look at what happened in South America and le sud des États-Unis. Yeah, so in South America. Regardez ce qui s'est passé. Look at what has happened there. Ils avaient tout. They had all système de défense. All sorts of defense. Mais quand la tempête Irma est venue, but when the storm started coming, tout était chaos. Everything was mais damaged. Quand l'Éternel est ta protection, when the Lord is your protection, quand la tempête vient, when a storm comes, Jésus se lève. The Lord Jesus stands up. Non, je ne comprends pas. J'ai dit quand la tempête se lève, I say when the storm comes, quand l'ouragan vient, quand l'ouragan vient, when la tempête, the storm comes, et arrive, and it comes, Jésus dit, Jesus says, tais-toi.
Keep quiet. Silence. Keep quiet. Silence. Keep quiet. Oh, si Jésus était aux Antilles, il allait dire tempête dehors. If Jesus was there in South of America, he would have said, "Keep quiet and get out." Je suis venu te dire que celui qui est en toi. I have come to tell you the one inside of you. C'est la véritable muraille. He is the greatest of all. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. He's the great wall. Je dis c'est la véritable muraille. He is the true wall. Psaume 127 verset 1. Psalm 127 verse 1. C'est-à-dire quand tu dors. You know when you sleep. Ronfle même. You need even to snore. Parce qu'il est là. Because he's there. Quand tu marches. When you walk. Tu es en sécurité. You're in safety. Quand tu voyages, tu prends l'avion. When you travel, you get on an airplane. Oh, tu peux dormir comme un bébé. You can sleep like a baby. Partout. Wherever you are. Il est ta protection. He is your protection. Hallelujah. Hallelujah. La Bible dit si l'Éternel ne garde une ville. The Bible says unless the Lord protects a city. Ceux qui la gardent. Guarding it with sentries. Veillent en vain. Will do no good. Hallelujah. Amen. Si Dieu ne garde une ville. If God doesn't protect a city. Ceux qui la gardent. Guarding it with sentries. Veillent en vain. Will not help. Qu'est-ce que David veut nous enseigner? What does David want to teach us? David veut nous enseigner. He want to teach us. Que avant que pour que nos murailles ne s'écroulent pas. So that our walls might not be crumbled. Peuple de Dieu. People of God. Tu dois avoir foi en Dieu. You need to put your trust in God. Tu dois croire en Dieu. You must trust in God. Et tu dois craindre ce Dieu. And you need to have the reverence of God. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. The Bible says the angel of God encamps around about those who fear him. Et c'était la condition pour avoir les murailles. And that is the condition to have a wall. Mais quand vous lisez l'histoire d'Israël, but if you read the story of Israel, vous allez voir que ce peuple a abandonné la foi en Dieu. You will notice that very often these people will abandon the trust in God. Dans l'idolâtrie, dans le péché. They get into idolatry and sin. Ce peuple vivait dans le mensonge. They start to live in sin and lies. Dans le meurtre. In murder. Dans les violences. In all sorts of violence. Dans l'injustice. In injustice. Et pendant très longtemps. And during a long time. Et pendant ce temps. During the time. Ils vivaient également la prospérité de Dieu. They had been living through prosperity that God had given them. Vous comprenez un peu? Do you understand? Donc être prospère ne veut pas dire qu'avoir Dieu. To be prosperous is not necessarily synonymous of having God. Mais tu peux avoir Dieu et être prospère. But you can have God and be prosperous. Mais d'autres ont la prospérité, ne mènent plus But Dieu. There are people who are prosperous without God. Ma prière est que tu sois prospère, mais que tu aies aussi Dieu avec toi. My prayer is that you might prosper, but have God at the same time. Prospère comme le prospère l'état de ton âme. You need to prosper as even your soul prospers. Mais Israël n'a plus prospéré. But you see, Israel didn't prosper. Israël vivait dans le péché. They lived in sin. Et Dieu a suscité des prophètes. And God sent prophets. Il les a envoyés vers son peuple. He sent them to the people. Pour interpeller son peuple. To rebuke them. Pour qu'ils reviennent à lui. So that they will come back to God. Mais personne n'a voulu le croire. Nobody wanted to listen. Et le dernier d'entre eux qui est venu, and so the last prophet who came, c'était le prophète Jérémie. Is prophet Jeremiah. Il va leur dire arrêtez de vous tromper, de vous livrer à des espérances trompeuses. And so he told them you need to stop to lie to yourself and giving yourself to false hopes. Mais ils n'ont pas compris. But they didn't listen. Et vous savez ce qui va se passer? You know what happened? Parce qu'ils ont désobéi. Because they disobeyed. Parce qu'ils ont péché. Because they sinned. L'ennemi est venu. The enemy came. Et il a détruit les murailles. And the enemy broke and destroyed the walls. Si vous lisez dans Deux Rois chapitre 25. If you read in 2 Kings chapter 25. Deux Rois chapitre 25. 2 Kings 25. Le verset 8 à 10. From verse 8 to 10. On nous parle de Babylone qui va venir. The Bible talks us about Babylon who came. Et il y avait le chef de Babylone, de l'armée babylonienne, Nebuchadnezzar. So the king of Babylon, Nebuchadnezzar. Non, le chef de l'armée. Oh, the head of the army. Nebuchadnezzar. Yeah. Nebuchadnezzar. Yeah. Alléluia, il est venu. He came. Et regardez ce qu'il va faire. And so this is what he did. La première des choses qu'il fait. The first thing he did. Il va détruire le temple. He would destroy the temple. Le temple de Jérusalem sera détruit. The temple of Jerusalem was destroyed. La deuxième des choses qu'il fait. The second thing he does. Il va détruire les maisons qui étaient à Jérusalem. He destroys all the houses and homes. La troisième des choses qu'il fait. The third thing he does. Il détruit tous les palais des hommes riches. He destroys all the palaces of wealthy people. Et la quatrième des choses qu'il fait. And the fourth thing he does. Il détruit les murailles de Jérusalem. The walls of Jerusalem. Pourquoi a-t-il réussi à détruire les murailles? Why did he destroy the walls? À cause du péché. Because of sin. À cause de la désobéissance. Because of disobedience. Et la conséquence était quoi? And that was the consequence. Il y a eu beaucoup de morts à Jérusalem. Many people died in Jerusalem. Et la plupart des gens qui sont restés. And most of the people were left. Vont se retrouver à Babylone, dans they la captivité. Found themselves in captivity in Babylon. Et c'est là que nous arrivons dans le contexte de Néhémie. And that's where we have the story of Nehemiah. Et Néhémie. Nehemiah.
l'histoire de Néhémie, the story of Nehemiah, concerne la captivité. Talks about captivity. Ceux qui étaient partis en captivité. People who had gone into captivity. En 586 avant Jésus-Christ. In 586 before Christ. Parmi eux, among them, se trouvait Hanani. Was Hanani. Plutôt Akalia, excusez-moi. Akalia. Qui était le père de Néhémie. Who was the father of Nehemiah. Néhémie est né dans la captivité. Nehemiah was born in captivity. Il est né là. And so he was born there. Il n'avait pas la connaissance de ce qui venait de se passer. He did not have any knowledge of that which happened. Il ne savait pas que les murailles étaient brisées. He did not know that the walls were broken. Mais quelque chose va se passer. But something would happen. Nehemiah était un homme de cœur. Nehemiah was a man of Nehemiah great heart. Nehemiah était un homme de Dieu. A man of God. Et Nehemiah, c'est l'homme que Dieu a utilisé. So he was the man God used. Pour rebâtir les murailles. To rebuild the walls. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Gloire à Dieu. Glory alors God. Le nom de Néhémie signifie ceci. This is what the name Nehemiah means. L'Éternel a consolé. The Lord has comforted. On nous parle ici de la consolation. This is a matter of comfort. C'est un nom qui était souvent donné aux prophètes. It was the name that was given to prophets. Comme Barnabas, fils de la consolation. Like Barnabas was the son of comfort. Et quand nous lisons la vie de Néhémie, when you read the life of Nehemiah, nous voyons en Néhémie un prophète. You see in Nehemiah a prophet. Et je suis venu te dire, tu vas être le prophète de ta vie. I'm going to tell you that you will be the prophet of oh, your life. Oh, tu n'as pas compris. J'ai dit, tu vas être me. Le prophète de ta vie. You will be the prophet of your life. Est-ce que vous êtes là ce soir? Are you with me? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nehemiah, un homme de Dieu, a man of God. Nehemiah, un homme de cœur, a man of great heart. Et selon les Écritures, so according to scriptures, il était certainement issu de la tribu de Judas. He came from the tribe of Judah. Parce qu'on nous parle de ses frères, notamment Hanani qui était venu. So they're talking about his brother Hanani who came. Alors ce qui m'a frappé. That what touched me. Ce que Néhémie n'avait jamais vu ce qui s'était passé là-bas. Is that he'd never seen what happened to the city before. Il a juste appris ces choses. He just heard about it. Et quelque chose va se passer dans son cœur. Something will happen in his heart. Vous savez aujourd'hui, see, today, il est difficile de voir quelqu'un qui n'a pas expérimenté quelque chose vous venir en aide. It's very often you notice somebody who never experienced something to come and help you. Mais sa présence même à Babylone, but you see, his very presence in Babylon, était la conséquence de ce qui s'était passé là-bas. Was a real consequence of what had happened beaucoup, in Jerusalem. Beaucoup d'entre nous vivons ici before. En Australie. Many of us live here in Australia. Nous avons une bonne vie. We have a good life here. Certains viennent de l'Afrique. Some come from Africa. Où il y a la misère. There is misery où les down gens there. Sont broke. People are so broke. Mais quand ils arrivent ici, but when they get here, ils oublient. They forget. Ils oublient. Don't want to think et about it anymore. As-tu oublié? See, can you look at your neighbor and say, have you forgotten? As-tu oublié? Have you forgotten? That's the way. So, Bosan. Hallelujah. Mais Dieu cherche Néhémie. God is looking for Nehemiah. Des gens qui ont le cœur. The kind of people who've got a heart. Des gens qui n'oublient pas ce qui s'est passé. People will not forget that même which si happened. Même si tu es né ici. Even if you're born here. Tu n'as jamais vu ce qui s'est passé you've là-bas. Never seen what happened mais tu peux side. Prendre la situation à cœur. But you can take this situation toi, tu vis heart. Une bonne vie. You live a good life here. Mais dehors, il y en a qui souffrent. But right outside there are people mais Néhémie doit avoir le cœur. Nehemiah must have a heart. Compassion. A heart le of cœur, compassion, a heart de l'amour, of love, pour aider les autres, to help others. Hallelujah. Hallelujah. Il était quelqu'un qui avait une bonne vie. He had a good life. Il était chanson du roi. See, he was a servant of the king. Il était comme un premier ministre. He was like a kind of prime minister. Et c'est lui également qui goûtait la nourriture et le vin du roi avant que le roi ne boive. So every time before the king had his meal, Nehemiah would test it and would drink the king's wine. C'est-à-dire si on doit empoisonner le roi, c'est Néhémie qui part. So in other words, if somebody wanted to poison the king, Nehemiah would be the first one to die. Est-ce qu'il peut avoir un Néhémie pour l'apôtre Peter ici? You know, is there any Nehemiah for Apostle Peter here? Alléluia. Ah, huh? Oh, t'as pas dit amen. You didn't say amen, did you? Tu n'as pas dit amen. et ma prédication ce soir, c'est j'ai besoin de Néhémie. Dis à ton ami, see, tu as besoin de Néhémie. What I want to talk to you about is I need some Nehemiah. Tell your neighbor. Touche-le comme ça. Dis-lui, tu as besoin de Néhémie. Touch him and say, I need Nehemiah. Dis-lui, tu as besoin de Néhémie. I need a Nehemiah. Alléluia. Amen. Et c'était ça. And that was it. Nehemiah. Il avait une bonne position sociale. He had a good status, social mais status. En même temps, il avait le cœur de Dieu. But still, he had a heart of il God. Était sensible. He was a very sensitive à la souffrance man. Des gens. He was sensitive to the suffering of others. Et Nehemiah avait été prophétisé par le prophète Isaïe. Had been prophesied about by Isaiah. Isaïe a prophétisé au 8e siècle. Isaiah prophesied in the 8th century. Et Nehemiah est venu au 5e siècle. And then Nehemiah came 3 centuries avant later. Jésus-Christ. Before Jesus. Et c'était une prophétie. It was a prophecy qui venait de s'accomplir. That had just happened. Et
Néhémie était parmi les personnes qui devaient avoir à cœur le rebâtissement des murailles. So Nehemiah was one of the people who would take to heart to rebuild the walls. Et regardez comment il va procéder. So look at what he does. La première des choses qu'il fait. The first thing he does. Il essaie de prendre des renseignements. He start to take some information concernant son peuple. About his people. Ceux qui venaient de Juda. So those who were coming from Judah. Frères et sœurs, ça c'est la première chose qu'il faut savoir dans Brother le rebâtissement des murailles. This is the first thing you need to know about the rebuilding the walls. Tu dois avoir des informations exactes. You need exact information de ce que les autres vivent. Of the lives of others. Alléluia. 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 Combien de minutes encore j'ai? Faut me donner avant. Five minutes. Okay, thank you. Gloire à Dieu. Korebo shaka. Dis à ton ami, tu as besoin d'avoir des informations. Can you tell your neighbor you need accurate information? Dis-lui, tu as besoin d'avoir des informations. You need accurate information. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as des informations, when you have accurate information, sur ce que les autres vivent, of, about others, sur ce que les murailles sont, l'état des murailles, and you know the condition of the walls, tu ne peux plus rester indifférent. You cannot just stay indifferent. Vous savez pourquoi Jésus est venu dans ce monde? You know why Jesus came in the world? Il savait que le monde était dans le péché. He knew the world was in sin. Il savait que le monde était détruit par le diable. He knew the world was destroyed by the devil. Mais il ne pouvait pas venir nous sauver. But he couldn't come and s'il save était resté us. Au ciel. If he'd stayed in heaven. Il a pris des informations. He had to pick up et il est venu vers nous. And he descended et toi aussi, si tu veux voir les murailles rebâties, tu dois savoir qu'est-ce qui touche les autres. You need to know what is happening qu'est-ce qui affecte others? Les églises. What is affecting churches? Qu'est-ce qui affecte les relations. What is affecting the qu'est-ce qui affecte nos vies. What is affecting pour our que tu te lèves comme so Néhémie. You can stand like et vous savez, Néhémie, la première des choses qu'il va faire, la deuxième chose qu'il va faire, the second thing he does, je veux parler plutôt de la troisième parce que la deuxième chose c'est de ça que je voulais développer, mais je vais en parler demain. I'm d'accord? Going to talk about the third thing and I'm going to jump the second one and I'll talk about it tomorrow. Non, je vais parler plutôt de la troisième chose avant de la deuxième. Okay, so I'm going to start talking about the third thing before the second. La première chose, the first thing, c'est l'information, accurate information. La deuxième de chose, the second thing, c'est le constat. To observe, et ça j'en parlerai demain, constater les choses, to observe, vous allez comprendre things, c'est quoi. You'll see what I'm talking about. Alléluia. Amen. Mais la troisième des choses, the third thing, c'est l'implication. Is to be implicated. C'est l'implication. To get involved. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois t'impliquer. Get involved, get involved. Les murailles ne peuvent pas se relever see, the walls cannot be rebuilt sans ton implication. Without you being involved. Et Dieu veut que tu t'impliques. And God wants you to get involved. Cette affaire te concerne. This business is yours too. Non, pour le salut de ta famille dépend de toi. I'm saying that for the very salvation of your family, it depends on le you. Le salut de ton mariage dépend de toi. The very salvation of your marriage depends on you. La bénédiction de ton église dépend de toi. The blessing, the church, the blessing of the church depends la on you. La bénédiction de cette nation dépend de toi. I want you to know that the very blessing for this nation depends lorsque on tu es concerné par quelque chose, when you are involved, tu n'es plus indifférent. You can't stay indifferent. Tu t'impliques. You get involved. Dans le jeûne. You get dans la prière prayer, et quand tu pries fasting, et quand pray, tu jeûnes fast, il y a quelque chose qui se passe. Oh, je veux dire à quelqu'un, I want to talk to someone, il y a une puissance there is power dans la prière in the il y a prayer, puissance power dans le jeûne in fasting, lorsque tu jeûnes when you fast, et que tu pries and you pray, dans le monde spirituel in the spiritual il y a world, un mouvement there is a move. Physiquement tu ne sens rien physically, you don't see anything, mais spirituellement but in the spirit, things are shaking. Things start to move. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Les choses commencent à bouger. Things start to shake. Et quand les choses commencent à bouger, and as things move, c'est la restauration qui arrive. That's restoration. Il n'y a pas la restauration, there's no restoration de manière physique in a physical sans world, la restauration unless de manière spirituelle. There's restoration. Et je suis venu te dire, parce que tu es Néhémie, if you know, parce que tu as besoin de Néhémie dans cette génération, God needs Néhémie, tu vas jeûner, you will fast, tu vas prier, you will pray, mais crois une chose, but believe one même thing, si tu ne vois pas, even if you don't même see, si tu n'entends pas, even if you don't listen, dans le spirituel, in the spiritual quelque chose realm, se passe. Something's happening. Quand Élie a prié, when Elijah prayed, il a demandé à son serviteur, he asked to his servant, va regarder, go and check, qu'est-ce qui se passe? What's happening? Il est parti, he went, il a dit, he said, je ne vois rien. I see nothing. Le problème c'est qu'il n'y a pas rien. The thing is though that il y a quelque chose, there. There is something, mais tu n'as pas encore vu. You haven't seen it yet. Mais tu dois continuer à prier. But you need to pray. Mais il est parti, he went again. La deuxième fois, second time, rien. Nothing was la there. Troisième fois, third time, rien. Seems nothing. La quatrième fois, fourth time, rien. Seems la cinquième fois, fifth time, rien. Nothing. La sixième fois, sixth time, rien. Nothing. Oh, j'aime la septième fois. I love oh, the Dieu time est un Dieu de six fois sept.
tête. God is, quand il est parti la septième fois, when he went the seventh time, il dit je vois. He said I see. Je suis. Dis à ton ami tu vas voir. See, tell your neighbor you will see. Dis à ton ami tu vas voir. You will see. Après 21 jours, dis-lui tu dois voir. After 21 days of fasting, dis-lui tu dois voir après 21 jours. Quelque chose se passe. Something will happen. Oh, something is gonna do. Something is happening. It's gonna happen. Come on. Hallelujah! 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 La prière. Prayer. Oh, j'aime la prière. I love prayer. Rekama Simbori Yaba. Rekerebo Shandaraba. Rebuilding the wall. Hallelujah. Rebuilding the wall. Hallelujah. Alléluia. Pendant que tu es en train de prier, il y a un mouvement. Je suis venu te dire dans ta famille, il y a un mouvement. Come to tell you there's a move in the family. Ta famille sont en train de trembler. See, all the witches in the family are shaking. Je dis les sorciers de ta famille tremblent. I'm telling you, all the witches in your family are shaking. Non, tu me comprends pas, tu me crois pas. You don't understand what tu I'm saying. Les sorciers tremblent. I'm saying they're shaking je right now. Je sens la sonner. They can feel the fire. Je sens la sonner. Ah, parce que la prière est un feu. Because prayer brings fire. Prière est un feu. Prayer brings fire. C'est le temps. C'est le temps. This is the time. De voir les choses. To see things. Changer. Change. Avec la persévérance. As you persevere, you will see change. Stand up where you are. Stand where you are. Raise your hands, please. As you keep your eyes shut, please. As you keep your eyes shut, please. The Holy Spirit is giving to someone here a revelation about your life. Raise your hands. Le Seigneur ne permettra pas que ta vie puisse échouer. The Lord will not allow for your life to be a failure. Le Seigneur ne permettra pas que ta vie puisse tourner en rond. He will not allow for your life to just go around and around and around. Il me dit de te dire femme qu'il te connaît. It tells me to tell you, woman, he knows you. Il connaît ta vie et ta situation. He knows your life and he knows your situation. Il a permis que tu souffres, que tu pleures. He has allowed you to suffer and cry. Parce qu'il y a un temps de restauration qui arrive. Because there is a time of restoration that is on the way. Le Seigneur ne te laissera pas seul. He will not leave you alone. Le Seigneur va essuyer tes larmes. He will wipe away your tears. Le Seigneur te dit que tu m'es cher, tu m'es précieux. He says to me to tell you that you are very precious to him. La grâce de Dieu dans ta vie. Receive that grace of alors God. Que nous avons nos mains levées, as you keep your eyes raised, your hand raised. Seigneur, merci pour ton peuple. Father, thank you for your people. Merci pour cette première journée. Thank you for this first day. Merci, Seigneur, mon Dieu, Père, pour ta parole. Thank you for your word. Fais de chacun d'entre nous ici un ennemi. Lord, turn each one of us here into Nehemiah. Turn each one of us here into Nehemiah. So that we can rebuild the walls. Because our first protection is not what we see, but it is your presence. Let your presence come back in our lives. Let your glory come back in our hearts. Let the reverence, the fear of God come back into our lives. In the name of Jesus. Where them sit and pray. Amen. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Yes, you are the Lord. I think you can do better than this. Yes, you are the Lord.